à 3h, le Real Madrid va jouer avec Milan AC. Real Madrid Milan AC, c'est deux clubs qui petitraient dans l'histoire de la compétition. Ça, c'est 22 Ligue des Champions collés ensemble. 15 pour le Real Madrid, 7 pour le Milan AC. Et donc, c'est pour aller une belle bataille. Carlo Ancelotti face à un ancien club, le Milan AC. Liverpool va jouer avec Bayer 0-4 Leverkusen. Dortmund a joué à Stormgrass. Sporting CP a joué avec Manchester City. Lille a joué avec Juventus de Turin. Celtic a joué avec Leipzig. Pologne a joué avec Monaco. Alors, n'a pas entré dans le match Real Madrid-Milan AC, hein, puisque Real Madrid te connaît une très mauvaise semaine la semaine dernière. Non seulement ils ont perdu devant et FC Barcelone dans le Classico, et puis ils ont perdu encore. Et capable de dire perdu, puisque et Ballon d'Or, qui est pile monde pensait que tu avais joué Vinicius, et bien Ballon d'Or, là, il joue Rodri. En parlant de Ballon d'Or, et d'après information qui a circulé en Espagne, ça, son information, c'est pas mon opinion. Real Madrid était au courant depuis avant Classico que Vinicius pas Ballon d'Or. Il pas voulu annoncer Vinicius ça, en façon pour M. Tekarete concentré pour Classico, pour pas triste, pour pas décourager. Et donc, nous connaissons que une nouvelle comme ça. Moi, j'ai dit ça dernièrement, il y a pile monde qui passe proche Classico et qui passe proche Ballon d'Or. Il n'y a pas jamais qu'à retourner faire une saison extraordinaire encore. En 2010, nous avons deux monde. Nous avons Schneider avec Milito. Nous n'avons pas jamais qu'à reprendre meilleure forme pour retourner dans le débat Ballon d'Or encore. Lewandowski passe plusieurs fois devant Ballon d'Or. En 2020, il n'a pas pris parce qu'il n'a pas attribué. En 2021, il n'a pas pris parce que Messi a gagné un gros Copa América qui définit meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur décisif. L'Argentine a raflé toute le bagage dans Copa América. Et c'était tout à fait normal pour te bailler Messi Ballon d'Or parce que Messi est le meilleur joueur en compétition majeure sur l'année. Donc, Lewandowski, depuis après 2021, n'a pas jamais retourné parmi les trois premiers encore. Et puis, il y a l'autre joueur encore, par exemple, Ribéry en 2013, que tout le monde dit, ouais, qui était qu'à Ballon d'Or, et puis malheureusement, pas Ballon d'Or. Manuel Neuer en 2014, que en pile, le monde pensait que c'était Ballon d'Or, il n'est pas Ballon d'Or, mais il n'a pas jamais retourné dans des bas Ballon d'Or encore. On est avec Buffon en 2006, qui n'est pas Ballon d'Or. Et bien, après 2006, Buffon n'a pas jamais retourné dans des bas Ballon d'Or encore, dans la discussion Ballon d'Or, il y a rarement au classé. Donc, Ballon d'Or, là, il y a un côté mental là-dedans. Sont pas très forts mentalement. Et c'est ça, tout mérite Messi avec Cristiano Ronaldo. C'est là tout mérite Messi avec Cristiano Ronaldo, parce que deux necks yo, ils ont été en top pendant presque 15 ans. Son bagage extraordinaire pour capable faire 15 ans à rester au haut niveau. Ok? Donc, nous avons eu plusieurs exemples là, des séries de joueurs qui ont eu l'opportunité Ballon d'Or et puis qui pas Ballon d'Or. Après ça, you down, you pas jamais capable de retourner au plus haut niveau. Nous t'ai allongé liste toujours. Thierry Henry fait presque 5 ans à flirter à Ballon d'Or, il pas jamais capable. Pour moi 2003, il t'ai capable sur Nedved. 2004 encore il t'ai capable sur Shevchenko. OK, parce que Arsenal 2004 ça son année drôle, mais on se songe tête. FC Porto champion, pas de individualité détachée. FC champion Ligue des Champions. La Grèce champion Euro 2004, là, par une individualité détachée vraiment. Thierry Henry était extraordinaire avec Arsenal. 26 victoires, 12 matchs nuls. Et puis, il définit meilleur buteur, meilleur passeur décisif champion Hazard. Et puis, là, il finit deuxième derrière de Shevchenko, qui était une bonne saison tout avec Milan AC. Bon. 2006 encore, Thierry Henry finit parmi les trois premiers. Thierry Henry pas Ballon d'Or. Après ça, on va chercher Thierry Henry dans le débat Ballon d'Or, pas Kawel. Ça veut dire que Ballon d'Or, là, son bagage qui fort très fort mentalement, Steven Gerrard, Frank Lampard en 2005, il a fini deuxième et troisième, et puis après ça, on va chercher un classement Ballon d'Or ou pas joindre nous. Voilà, donc, Real Madrid, pas de vle, information ça, affecté d'après Relevo, ok, d'après Relevo à son média espagnol, et Real Madrid, t'es qu'un bien information ça, secret, Vinicius tellement pas de connaît. Selon les dires de selon les rumeurs, Vinicius dit Gavi comme ça, bon, lundi, m'a pas oublié match à jouer samedi 26 octobre, lundi 28 octobre, c'est moi qui vais recevoir Ballon d'Or. C'est-à-dire que Vinicius était dans rêve toujours,
parce que les hauts dignitaires et la haute sphère madrilène dégâta au courant que c'est pas Vinicius qui ballon d'or. Donc Real Madrid l'a gagné pour jouer avec Milan c'est demain. C'est dans Santiago Bernabéu. Real était sous 3 victoires et 2 défaites dans 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Milan AC était sous même performance, 3 victoires et 2 défaites dont une devant Napoli. Bilan très équilibré, deux équipes ont joué 15 matchs. 6 victoires pour Real, 6 victoires pour Milan et 3 matchs nuls. Nous songeons à Milan qui fait Real Madrid en 89 et on sangle 5-0. Ils ont rencontré encore plusieurs fois en Ligue des Champions et parfois ils ont gagné sur l'autre et son bilan qui est très équilibré. Real Madrid fait 24 goals sous Milan, Milan AC fait 25 goals sous Real Madrid. Mike Maignan qui fait des déclarations sur mentalité équipe Milan AC. Il dit chaque match a une propre histoire. À tout moment, nous devons avoir courage pour jouer sans crainte. Et il parlait de Kylian Mbappé qui est compatriote et coéquipier dans l'équipe de France. Monsieur dit son joueur de grande qualité et m'a pas doute sur ça. Même qu'on est demain, c'est extrêmement difficile pour nous bloquer. Fonseca lui-même qui a parlé de plan de jeu, il dit que pour gagner un match tant qu'on match demain, hein, on doit bien défendre et gagner possession ballon et créer situation dangereuse. Un match contre Real Madrid, c'est occasion pour montrer qualité nous avec progression nous. Paulo Fonseca toujours cap parler, il dit que n'a pas abordé match ça tant qu'on avec une grande motivation, c'est une grosse opportunité pour affronter une équipe qui toujours fait partie favori Ligue des Champions, mais n'a fait avec un pile courage. Jean Tabdoulan dans deuxième tour 89-90 Milan bat Real Madrid 2-0. Real Madrid te bat Otola 1-0. Richard avec Van Basten te fait goal et c'était dans San Siro et puis Emilio Butragueño te fait un goal dans match retour là, mais ça pas suffit, Real Madrid te qualifié. Demi-finale 88-89, Real Madrid te fait 1-1 avec Milan AC puis dans retour là, Milan AC te râlé, te passé Real Madrid 5-0. Actuel entraîneur Real Madrid là qui c'est Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Wout Gullit, Marco Van Basten et qui te fait goal égalisateur là Alia et Roberto Donadoni, de tous tes jeunes chemin filaire dans San Siro, alors que Milan a réalisé une grande performance en Coupe d'Europe. Ils ont rencontré tout dans le quart de finale 63-64. Real Madrid a battu Milan 4-1. Milan a battu retour 2-0. Et Madrid a qualifié grâce à Gol Amancio, Ferenc Puskás, Di Stefano avec Gento dans Alia. Mais Milan a gagné retour. Carlo Ancelotti fait des déclarations lui-même. Il dit que c'est un match spécial en raison de histoire avec Milan AC. Équipe moins pas bien dans ces campagnes, mais il a toujours été dangereuse parce qu'il possédait une immense qualité en attaque. Milan a un énorme potentiel et peut-être qu'il n'a pas exploité, mais nous devons être prêts pour un match difficile. C'est déclaration Carlo Ancelotti. Et puis en 1958, deux équipes ont été croisées. Dans la finale, Real Madrid a battu Milan 3-2 après prolongation. Et Madrid a réalisé un triplé dans la Coupe d'Europe des clubs champions à Bruxelles, malgré des défaites. Et Paco Gento a mis fin à défi milanais. Et puis, au croisé dans la demi-finale 55-56, Real Madrid a battu Milan 4-2 à Madrid, Milan a battu Real 2-1. Deux équipes ont marqué deux goals dans le premier demi-heure match à Léa, Hector Real et Oseito pour équipe locale là, Gunnar Nolda avec Ronaldo Chifiano te fait goal pour Milan. Roque Olsen avec Alfredo Di Stefano te scellé victoire madrilène qui te accédé pour la première fois et à finale. Donc voilà, Real Madrid Jam d'Abdoula, yo joue 15 matchs entre yo, 6 victoires pour Real, 6 victoires pour Milan, 3 matchs nuls, 24 goals pour Real, 25 goals pour Milan AC. Invincibilité 42 matchs Real Madrid dans Liga après fin. Puisque il est tombé devant FC Barcelone 0-4, c'était le 26 octobre dernier que ça a été arrivé. Voilà, on nous parlait de arbitre match là et match à Santiago Bernabéu, c'est Zlavko Vinicic qui sont slovènes qui va arbitrer match football ça. La CAI Real Madrid, Matsa, la joue à 3h
heure, alors 3 heures heure haïtienne. Faut nous dit que l'heure a changé. L'heure a changé, li actuellement 7h30 dans tout studio RTVC. Donc dans ancien l'heure avant samedi, les consoles à 8h30. Mais c'est 7h30 lié qu'on y a. Voilà bon l'autre bel match encore, son match est très amusant. Et un match et yo les matchs au match popcorn. Ou chita devant télévision pour regarder, c'est Liverpool Leverkusen. C'est vraiment un match intéressant. C'est un néerlandais qui va l'arbitre match ça, Danny McKinley. Et Liverpool était sous 4 victoires et un match nul toutes compétitions confondues et Leverkusen était sous 2 victoires, 3 matchs nuls toutes compétitions confondues. Deux équipes s'est rencontré 4 fois. 3 victoires pour Liverpool, une victoire pour Leverkusen. Mais faut moi dire nous Leverkusen en 2002, il était éliminé Liverpool au stade des quarts de finale pour le fait demi-finale avec Manchester United. Et Liverpool fait 9 goals, Leverkusen fait 6 goals. Dans histoire de confrontation en deux équipes ça. Après ça on a joué Dortmund face à Sturm Graz, Sporting face à Manchester City, Lille face à Juventus. Lille Juventus là a un match intéressant tout. Et puisque Thiago Motta, c'est le retour de Thiago Motta en France, pas oublier que Thiago Motta, l'aile de quitter Inter, il est allé jouer dans Paris Saint-Germain. Et match ça l'a joué dans stade Pierre Monroy. C'est Irfan Peixto et qui sont bosniaques qui vont arbitrer match ça. 3 victoires et 2 nuls. Lille fait, Juventus fait lui-même. 2 victoires, 2 matchs, Léon défaite. 2 équipes ça pour que j'aime rencontrer dans l'histoire. Yo. C'est pas le premier rencontre. Et Kefren Thuram, au sujet de Lille Olympique Sportif Club, je dis son bon équipe. Une équipe qui est très joueuse, avec des joueurs percutants sur toute zone terrain. Nous connaissons qu'ils ont un bon coach et un bon plan de jeu, mais nous préparer et pour nous jouer avec eux demain. Lille était invaincu en 7 matchs, 5 victoires et 2 matchs nuls, depuis défaite 2-0 devant Sporting, la première journée, hein, et 4e défaite consécutive. Kefren Thuram, petite Lilian Thuram, a continué toujours, pour dire que nous préparer match là, tant que nous avons préparé l'autre match nous, nous respecter l'adversaire là. C'est sûr que y aura confiance à la Ligue des Champions, nous respecter eux parce que nous respecter chaque équipe, nous pour aller sous terrain pour nous faire un bon match, ces déclarations Kefren Thuram. Thiago Motta au sujet de entraîneur les Pep Genesio. Alors monsieur le Bruno Genesio mais oui le Pep Genesio. Alors monsieur Bat en pile grand entraîneur. OK, et pas oublier que monsieur Bat Real Madrid de Carlo Ancelotti et monsieur se font victoire de prestige là il y a quelques temps. Donc Lille est bien placé dans classement UEFA. On va le classement tout à l'heure. Monsieur dit moi connais niveau entraîneur ça. Et Bruno Genesio, c'est Thiago Motta qui a parlé. C'est pas un adversaire intéressant pour nous affronter. Nous avons concentré et déterminé pour nous faire un gros match. Moi, je connais et Olivier, qui est président du club. Là. Si Lille joue dans cette situation, ça, c'est grâce à travail Olivier Le Temps. Pas oublier que Olivier Le Temps était dans Paris Saint-Germain, dans le même moment à Thiago Motta. Je dis son un monde qui remet le football, qui est très professionnel. Et tout match est important. Dans Juventus, nous voulons toujours gagner. Ce qui est important pour nous, c'est pour nous prêts pour nous affronter une équipe qui est très en forme dans le moment ça, en confiance, qui gagne contre grand club. Tout travail là bien fait pour nous trouver nos conditions optimales pour nous affronter Lille, mais il faut que nous fassions le maximum nous pour nous gagner le match demain. Donc Lille, qui a poursuivi Juventus de Turin demain, c'est pour nous un match fort, qui a gagné. En nous, une composition probable, quelques gros équipes. Gagner Borussia Dortmund Sturm Graz, Celtic face à Leipzig, Anwell Liverpool Bayer 04 Leverkusen qui a pour match vraiment intéressant. Pour Liverpool, Kellerer t'a supposé dans camp, Alisson pour retourner, Trent Alexander-Arnold comme latéral droit, Gomez avec Van Dijk comme deux arrière centraux et puis Robertson latéral gauche. Gravenberg, McAllister comme deux demi défensifs. Et puis, ligne de trois, après la donne Salah, et Jones, et puis Luis Diaz, et puis devant, après gagné Darwin Núñez. Joueur qui est absent, c'est Alisson Becker qui est blessé dans Icho Jambier, Chiesa qui a un pépin musculaire, Elliott qui est blessé dans le pied, Diogo Jota qui est blessé dans la poitrine, et puis Ibrahima Konate qui a un problème dans le poignet, il est incertain. Konate avec McAllister, si toutefois il n'y a pas de carton jaune, il est suspendu pour 5e journée. Leverkusen, tu as supposé que dans le camp Radeki, Tapsoga, arrière stopper droite. Jonathan Ta avec Inkapié, trois arrière centraux. Mitante Rangé, Mouy Fingpong, Kshaka, Hendrik Grimaldo et puis Hoffman, Jonas Hoffman. Et puis devant, Florian Wirtz avec Victor Boniface. Comme absence, c'est Adli, qui est blessé dans le péroné.
et Bedokian qui blessé dans cheville, Moukielé qui blessé dans cuisse. Jérémy Frimpong, si toutefois le carton jaune, l'a suspendu. Lille Juventus de Turin, composition probable. Pour Lille, c'est Chevalier qui n'a qu'un, qui t'a doué n'a qu'un demain. Son gardien d'avou et nous algade, Lucas Chevalier. Mandy, Diakité et Alexandre avec Goodmanson comme Katarier. Boadi, André, Zegova dans le terrain. Et puis Gomez, et Sarawi. Et puis Jonathan David en pointe. Thiago Santos blessé dans le genou. Aratson blessé dans le pied. Et qui c'est pas Kylian Mbappé mais c'est Tifo Mbappé a Ethan Mbappé blessé dans cuisse, Rémi Kabela blessé dans cuisse et puis Meunier gain pépin musculaire. Et Jonathan David s'il pas carton jaune n'a suspendu pour prochain journée. Juventus lui même t'a deux jours avec Mathia Perrin en camp, Savona et Gatti Kalulu Koubal en défense, McKenny Thuram, alors m'a pas dit Kefren Thuram, Locatelli dans milieu terrain, Weah et Vlahovic avec Konsé Sao. Danilo suspendu, Bremer blessé dans genou, Milik blessé dans genou, Nicolas Gonzalez blessé dans cuisse et puis Douglas Luiz blessé dans ischio jambier. Real Madrid Milan c'est Lounin t'a supposé dans camp pour Real demain. Thibaut Courtois pour près. Vasquez Militao Rudiger avec Mendy en défense. Valverde Camavinga Tchouaméni dans milieu intérieur, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Alaba blessé dans genou, la absent. Carvajal blessé dans genou, la absent. Courtois blessé dans l'aine et incertain. Rodrigo blessé dans ischio jambier incertain. Et puis Modric, si toutefois le carton jaune, l'a suspendu pour le prochain match. Milan, c'est lui-même. Tu as supposé que Mike Maignan en camp, Emerson Royal et Malik Thiaw avec Pavlovic comme deux arrière centraux, Théo Hernandez latéral gauche. Mitterrand, Fofana, Reinders, Chukwueze avec Pulisic et puis devant Rafael Leao avec Morata. Comme absent c'est Benacer qui blessé dans mollet, Florenzi blessé dans genou, Gabia qui gagne pépin musculaire et puis si Morata pour carton jaune l'a suspendu. Sporting Manchester City pour City ou t'a deux jeunes Ederson dans camp et Walker Akanji Ake Vardiol en défense, Mitterrand et Kovacic, Gundogan, et puis ligne offensive a deux gain Foden, Bernardo Silva, Matheus Nunes avec Erling Haaland en pointe. Ruben Dias gain pépin physique et Stones blessé dans pied, Rodri blessé dans genou, Grealish yo pa bay pour qui raison pa pla, Oscar Bob blessé dans jambe, Savinho blessé dans cheville, gagné De Bruyne qui blessé dans cuisse et voilà pour équipe Manchester City hein, moi pense que moi ouais tout est probable et formation probable et grande formation qu'a joué demain. Classement c'est Aston Villa qui est en tête aussi étonnant que cela puisse paraître avec 9 points. Liverpool gagne 9 points tout, mais Liverpool gagne plus 5, Aston Villa gagne plus 6. Manchester City gagne 7 points, 3e, Monaco 4e 7 points. 5e c'est Brest 7 points, Liverpool 6e 7 points.